Beaucoup de monde passe devant ce bâtiment emblématique de Sarreguemines et pourtant peu de personnes ont l'occasion d'y entrer. C'est pourquoi les équipes du tribunal judiciaire ont décidé d'ouvrir ses portes pour les journées du patrimoine. Des visites guidées étaient proposées au public, le moment d'apprendre l'histoire de ce lieu construit par les Allemands en 1913. Aujourd'hui, entre les greffiers, les juges ou encore les procureurs, plus de 100 personnes y travaillent et des centaines d'affaires y sont traitées chaque année. Les visiteurs ont pu entrer dans les salles d'audience et assister à une reconstitution d'un vrai procès. Elle est tombée, en tout cas je ne vais pas pousser, ce n'est pas volontaire en tout cas. Bah manifestement, quand elle est tombée, c'est que vous la repoussiez. On se tenait mutuellement et à un moment elle a lâché, elle est tombée. Grâce à ce procès fictif, mais inspiré d'une réelle affaire, les spectateurs ont pu découvrir les dessous des audiences, les différents rôles des agents et la manière dont se déroulent les délibérations.